qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Et alors quoi? Tu vas nier ce que j'ai dit? Tu vas me dire que tu n'as aucun lien avec la personne qui a tué mon frère? Virginia Gutiérrez est ma sœur, oui. Mais elle n'a tué personne. Bon, si tu me le permets, je pense qu'on devra discuter de tout ça au tribunal. Carlos Ernesto, s'il vous plaît, je vous demande qu'on en parle seul à seul. C'est moi qui ai menti, et c'est à moi de donner des explications. Non, excuse-moi, Irène, je crois que je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu es en train de me dire que tu n'avais pas dit à ta mère que tu travaillais pour nous? Pour les laboratoires Ferrandis? Tu lui as menti à elle aussi? Excusez-moi. Si je le savais, je n'étais pas du tout d'accord. Nos familles ne pourront jamais s'entendre parce que vous avez mené ma fille Virginie en prison. Si vous permettez, madame, on en reparlera au tribunal quand ils la déclareront coupable de la mort de mon frère. Je t'en prie. Maman, laisse-moi seule avec lui et accompagne Maria Lucia. Carlos Ernesto, croyez ma mère. Elle m'avait demandé de ne plus m'approcher de vous, ni de votre entreprise. Tu veux que je te dise une chose, Irène? Là-dessus, ta mère a tout à fait raison. Je l'ai fait contre sa volonté. Au début, parce que je pensais que je pourrais trouver des preuves pour aider Virginia. Et ensuite? Ensuite, les choses ont repris leur cours. Et j'ai travaillé dans le bureau de Leonardo. C'est là que j'ai découvert un homme merveilleux, issu d'une bonne famille. Je me suis prise d'affection pour vous tous. Je vous assure que ce mensonge m'est resté là, en travers de la gorge. Ah oui. Oui, c'est la vérité. Je vous en prie, ne jugez pas ma mère. Je suis la seule coupable. Carlos Ernesto, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Tu ne parles pas sérieusement, non? C'est une blague de très mauvais goût, tu peux en être sûr. Là, je te parle vraiment sérieusement. Non, c'est impossible. Je ne te crois pas. Là, pendant le voyage, j'ai demandé à Irène si elle voulait m'épouser. Elle m'a pas encore répondu, mais j'ai l'espoir qu'elle me dise oui. Comment? Cette paysanne, sans aucune ambition dans la vie, tu... te demande si elle va vouloir t'épouser ou non? C'est le comble. C'est un manque total de respect. Calme-toi, Agustina. Je ne vois pas le problème. Je ne sais pas pourquoi ça t'affecte tant. Tu m'annonces que tu vas te marier avec ta secrétaire et tu t'attends à ce que ça ne m'affecte pas? Ah! Leonardo, en fait, je ne te reconnais plus. Cette secrétaire a bien su te manipuler, non? Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Je me réfère au fait que tu manques de respect à la mémoire de ma sœur Rebecca et à moi. Qui ai sacrifié des années de ma vie pour toi, pour tes enfants, pour cette famille. Et c'est pas elle, une simple secrétaire, qui me remplacera, Leonardo.
En fin de compte, cette femme va entrer, Leonardo. Et moi, je vais devoir quitter la maison. Personne te met à la porte, Agustina. Mais si c'est ta décision, je ne veux pas en discuter. Du moins, pas pour l'instant. Très bien, j'en ai entendu suffisamment. Excuse-moi. Comment je sais que ce n'était pas prémédité? J'ai dû confirmer ton CV après les autres. Vous savez que je suis entrée en tant que stagiaire. On m'avait demandé beaucoup de choses. Des notes, des certificats d'études, des documents de l'université. Je suis restée en fonction et ils n'ont jamais actualisé les informations. Mon rêve était d'entrer dans une grande entreprise. Et j'ai réussi. Mmh. Le reste ne comptait pas pour moi. Très bien. Et ensuite ? Ensuite, ils m'ont demandé de faire un remplacement. Et d'un seul coup, j'étais le bras droit de Leonardo Ferrandis. Il m'a rapproché des siens. J'ai vraiment adoré ses enfants. Et la confiance qu'ils m'ont accordée m'a fait penser qu'il était possible de tout oublier, absolument tout. Croyez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai jamais eu de mauvaises intentions. Que penseront Leonardo ou ma mère s'ils apprennent ça? En plus, si je me souviens bien, tu m'as dit qu'apparemment tu aimais Leonardo. Quel avenir peut avoir cet amour maintenant? Aucun. Et je l'ai jamais cru possible. C'était juste une illusion pour moi. J'ai rien calculé, Carlos Ernesto, je vous en prie. S'il vous plaît, laissez-moi l'annoncer moi-même, ok? Je savais que ce jour allait arriver. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Au lieu de ça, explique-moi parce que je ne comprends rien. Oh, Maria Lucia, on ne voulait pas que tu saches certaines choses et... Ouvre les yeux, ces gens nous détestent. Et alors pourquoi Irène travaille dans ces laboratoires aussi proches des Ferrandis? Parce qu'elle est bête. Elle m'écoute jamais et je lui ai toujours dit que c'était une mauvaise idée. Bien sûr. Je me demande pourquoi vous avez autant d'idées dans cette famille. Mais moi, je la comprends. On dirait qu'il l'aime énormément là-bas et surtout, monsieur Leonardo Ferrandis. Elle dit toujours des merveilles sur lui et même de ses Allemand, enfants. Allemand, dans cette famille, il n'y a personne de bon. Ne dis pas ça. Ils sont mauvais. Ces gens sont méchants et très puissants. Cet homme a transformé ma fille en criminelle et a jeté cette famille en disgrâce et dans l'embarras. Ce sont eux les véritables coupables. Et ils n'arrêteront pas tant qu'ils ne nous auront pas détruits. L'important, c'est d'envoyer aujourd'hui même la demande de brevet pour ces formules à toutes les instances nécessaires. Et commencer à examiner sérieusement les licences qui nous manquent. Je vais laisser un message à Leonardo via sa secrétaire et je vous rejoins. Ok, ça marche. Bonjour, Eriodiz. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Maribel? Tu as eu des problèmes à cause du retard? Je ne sais pas. On le saura à la fin du mois. Comment? Quand ils me décompteront les heures où j'ai pas travaillé. Ah, mais ça peut s'arranger. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas faire, me payer? Ah, bien sûr, j'ai deviné. En fait, j'imagine que... tu vas me payer les heures en plus. Pas vrai? C'est pour ça que je te semble aussi peu cher. Pourquoi tu me parles comme ça, Maribel? Je pense que t'as aucune raison pour me parler mal. Non. Bonjour. Moi, bonjour, je peux monsieur. Te la donner, ne t'inquiète pas. Oui, j'aimerais bien. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, Maribel. Salut, Rodman. Bonjour, bonjour, Leonardo. Tu es revenu plus tôt de ton voyage. Oui. Mais j'ai bien profité de chaque moment, je peux te l'assurer. Accompagne-moi au bureau, je veux fixer le jour pour qu'on parle de la fusion avant la prochaine réunion avec les Amora. Ah, Maribel, s'il te plaît, préviens-moi quand Irène arrive à l'entreprise. Oui, monsieur. Il s'est passé beaucoup de temps depuis et tu as gardé ce secret. Pourquoi je devrais croire que maintenant tu vas lui dire? Vous n'avez pas à me croire. Mais je vous supplie de le faire. Quand tu le lui diras? Je promets que ça sera bientôt. Mais j'ai besoin d'être préparée. Pourquoi attendre autant de temps, Irène? Comme tu as menti, regarde ce qui se passe. S'il vous plaît, ne me forcez pas. Je demande juste que vous me laissiez lui annoncer.
S'il doit la prendre par quelqu'un, que ce soit par moi. C'est une affaire très délicate pour ma famille. Je le sais. Donnez-moi juste un peu de temps. Je regrette. Tu dois le faire aujourd'hui même. Quoi ? Oui, Irène, oui. Soit tu le lui dis, soit moi je le fais. C'est toi qui décides qui le lui dit en premier. Je parle de ma famille. Je parle de mon entreprise. Carlos Ernesto comprenait que c'est pas facile. Non, je sais. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Mais je regrette beaucoup, je ne peux pas te donner un seul jour de plus. Toi, il te pardonnerait de mentir. Mais moi, il ne me pardonnerait pas de le savoir et de ne rien lui dire. Je suis désolé. Tu dois le lui dire aujourd'hui même. Ciao, Irène. Je savais que ce jour allait arriver. Ah, Maria Lucia, il n'y a plus de tilleul. Descends acheter du tilleul, s'il te plaît. Parce que j'en ai pas. Et je veux faire une tisane à Irène. Non, maman, je ne veux rien du tout. Mais moi si. Descends, s'il te plaît. C'est étrange, non ? Vous m'envoyez toujours faire n'importe quoi pour ne pas parler devant moi. Moi aussi, je suis de cette famille, c'est compris ? Maman, s'il te plaît, ne me dis pas, je te l'avais dit. Pas maintenant. Ils vont nous faire beaucoup de mal. Tout ça va nous créer encore plus de problèmes. Non, maman. Ce sont de bonnes personnes. Je les connais mieux que personne. Tu ne sais pas ce que tu dis. Cet amour te rend idiote. Cet amour te rend aveugle. Promets-moi, ma fille, que ta réponse à cet homme sera un non catégorique. Que jamais tu ne te marieras avec lui. Maman, quelle importance ça a. Quand Carlos Ernesto lui dira la vérité, sa demande n'aura jamais existé, maman. Rien. Mon frère ne répond ni sur son portable ni sur son fixe. Ah là là. Voulez-vous que je vous emmène dans la maison de votre frère, chef ? Non, non. Il vaut mieux qu'on aille directement à l'entreprise. Sûrement qu'il est déjà en chemin. On y va. Regarde, c'est ton oncle Carlos Ernesto. Peut-être qu'il avait quelque chose à régler par ici. Ne sois pas idiot. Qu'est-ce que mon oncle aurait à faire par ici ? N'oublie pas qu'il ne sort jamais de son bureau. Bon, Fernando, je veux pas parler de ce genre de choses avec toi. Tranquille, je voulais juste te prévenir. Qu'est-ce qu'elles font ? On va arriver en retard au cours de mathématiques. Ce professeur est juste obsédé par la ponctualité et la présence. Dis-moi une chose. Mm-hmm. Madame Trinidad, c'est pour le bouquet ? Mm-hmm. Oh non. C'est de ta faute si tu ne m'as pas dit la vérité. J'aurais pu inventer quelque chose, mais je ne savais rien. Non, 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 maintenant j'ai plus d'amis. Tu vois ? Maintenant, elle reviendra plus. Et si ça se trouve, peut-être qu'elle est enfermée jusqu'à ses 70 ans. Ah, tu exagères. La voilà. J'arrive. Enfin ! Mouah ! Bonjour, ma fille. Ils t'ont laissé sortir ? Et t'es encore jeune ? Bon, on part parce qu'il est tard. Sinon, on va rater le transport. Non, Sandra, je vais pas à l'université. En fait, je t'ai apporté le travail de statistique pour que tu le rendes au professeur et que tu lui dises que je me sentais mal ou que je me suis cassé le pied ou ce que tu voudras. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien. Ma mère ne se sent pas bien et je veux pas la laisser seule. Bon, on en reparle plus tard. J'y vais. Tiens, maman. Ça, tu n'as pas mangé. Fais attention à toi, Sandra. Travaille bien. Ça va, Maria Lucia. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu me racontes ? T'entends ce que tu dis ? Ils nous ont donné de l'argent au moins. Ah bon, mais... Mais ils l'ont compté plusieurs fois ils devant nous. Ils nous ont piégés, Georges, ils nous ont piégés. Ces types sont des experts dans ce genre de choses. C'est délinquant. Bon, ok, calme-toi. De toute façon, on ne peut rien y faire. Ou tu veux te présenter chez eux et leur dire que le compte n'y était pas. T'as vu le genre de type que c'est ? Peut-être même qu'ils sont armés. Bon, c'est pas grave.
On va récupérer cet argent et on va le multiplier. Cet après-midi, on se réunit avec ton ami. Tout de suite après, on se met à travailler sur la liste des fêtes. La fête de qui? D'où vous sortez toute cette somme d'argent? Excusez-moi du retard. C'était pas de ma faute, je le jure. Et Maria Lucia? Ah, en fait, elle vient pas en cours. Elle a des problèmes de famille. On y va? Ok? J'aimerais bien voir ça. Je t'apporte un thé qui est parfait pour les douleurs affectives et le mal d'amour. Merci. Tu es exactement comme ma mère, non? Tu crois qu'avec un thé, tout est réglé? Bon, tu le bois et ensuite tu me racontes ce qui s'est passé. Pendant ce temps, on se met ici, à l'aise, on est en confiance. Et puis, si tu as envie, tu me racontes ce qui te met dans cet état. Je sais pourquoi ma mère ne veut pas que je me rapproche de Rulio. Le pire, c'est qu'elle a complètement raison. Ah oui? Et quelle est cette raison aussi importante? Qu'est-ce qu'a bien pu faire ce garçon pour que ta mère le trouve si méchant? Non, c'est pas ce que lui a fait, c'est plutôt ce qu'on a fait à sa famille. J'ai découvert que ma sœur Virginia, c'est elle qui a assassiné l'oncle de Rulio. Sa famille nous voit comme des assassins. Non, tu sais que ce n'est pas vrai, Maria Lucia. En plus de cela, ils ne peuvent pas vous juger pour l'erreur de Virginia. Mais c'est la même chose qui est fait, non? Loupé, le mieux, c'est que j'oublie Rulio et que je m'éloigne de lui et que je le revois plus. Oh, ma belle. Je crois que tu deviendras malheureuse. Ma foi, tu es très amoureuse de ce garçon. Leonardo! Carlos, que c'est bon de te voir. Je voulais te remercier pour ce merveilleux cadeau. Tu sais pas combien j'étais heureux. Ce voyage était si spécial à tous les niveaux. Ça m'a déstressé. J'ai fait le plein d'énergie. Je me suis rapproché de mes enfants comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Je peux même dire que d'une certaine manière, ça a été un peu révélateur. Ça m'a redonné foi en la vie. C'est super. Je suis content de t'avoir aidé à profiter de tout ça, Leonardo. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de discuter avec toi de quelque chose de très important. Oui, bien moi aussi. J'avais tellement hâte de parler avec toi concernant une chose pour laquelle ton opinion compte beaucoup. Ok, mais c'est pas trop tard, non? Quelle heure est-il? Irène n'est pas en retard? En fait, sa mère est malade. Du coup, c'est la raison pour laquelle on a dû rentrer de voyage plutôt que prévu. Peut-être qu'elle a dû l'accompagner chez le médecin, je ne sais pas. Tu sais très bien qu'Irène ne s'absenterait pas si ce n'était pas très important. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ou peut-être parce qu'elle essaye de te cacher quelque chose? Comment? Je ne comprends pas, Carlos. T'as toujours ce comportement étrange. De quoi tu parles? C'est justement pour ça que je suis ici, Leonardo. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Irène. Et je pense que tu dois le savoir maintenant. Leonardo, pour des raisons que je n'expliquerai pas maintenant, je me suis rendu compte qu'on ne savait pas grand-chose sur Irène. On ne connaît rien sur sa vie, en dehors de son travail dans l'entreprise. Ses intérêts, ses antécédents... D'ailleurs, nous ne savons presque rien de sa famille. C'est curieux, tu sais. Il m'est arrivé exactement la même chose avec elle sur l'île. Mais tu sais quoi? Je sais que c'est une femme merveilleuse. Et si importante pour mes enfants. Si tu voyais comme ils se sentent bien avec elle, comme ils jouent, comme ils lui obéissent. C'est pour ça que ça va te sembler insensé que je lui ai finalement demandé... Quoi? Qu'elle soit ma femme. Comment? Oui. Pas vrai, qu'elle soit ta femme, Leonardo? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, 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 je ne comprends rien. Tu es devenu fou? Par hasard, ton nouveau hobby maintenant, c'est de demander en mariage toutes les femmes que tu croises sur ton chemin? Qu'est-ce que tu as? Un sac plein d'alliances de mariage? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis de cette manière? Non, 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 en fait, la vérité, je réagis de cette manière parce que je ne te reconnais pas, Leonardo. Un moment, je ne comprends rien. Depuis quand tu aimes Irène? Dis-moi une chose. Est-ce que par hasard, il s'est passé quelque chose entre toi et elle? Pendant le voyage, que je ne sache pas encore? Je ne crois pas que ce soit si grave, s'il te plaît. Qui mieux qu'Irène pour s'occuper de mes affaires?
Elle s'occupe de mon agenda, elle s'occupe très bien de mes enfants, elle est efficace à tous les niveaux. Mon mariage avec Irène serait une entente parfaite. Une entente? Oui, bien sûr. Ça m'enlèverait vraiment une épine du pied. Excellent, excellent si tu le crois, Leonardo. Bravo, comme ça tu enlèverais le salaire de la secrétaire, le salaire de la nourrice et le salaire de la femme de service. Ah, c'est super, bon sang, c'est ça que tu es en train de me dire. Carlos, bon sang, ne confonds pas les choses. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'être aussi sarcastique? Je considère Irène bien mieux que ça. J'ai toujours été reconnaissant envers elle. Je la traite avec respect. Tu es témoin de ça. Bien sûr. Tu la considères comme ta propriété, qu'elle est à toi. Que tu peux l'utiliser quand tu veux. Tout comme une pièce d'échec. Que tu bouges à ton avantage en fonction de ton jeu, mais pas vrai? Qu'est-ce que tu dis, Carlos? Hein? Leonardo, ça m'étonne de découvrir que je te connais si peu. Quel genre de personne tu es devenu, Leonardo? Irène, ma belle. J'ai su que t'étais en voyage. Comment c'était? Oui, un séjour merveilleux. Mais j'ai dû rentrer parce que Maria Lucia m'a prévenu que maman avait des problèmes de tension. Enfin, tu sais comment c'est. Oui. Bon, elle n'en fait toujours qu'à sa tête. Maman ne change pas. Non. Mais enfin, je suis venue voir comment tu vas. Je veux que tu me racontes comment Felipe a fait pour que la bagarre n'annule pas ta demande. Oui, c'est merveilleux, Irène. Bon, tu sais comment est Felipe. Il est intelligent, travailleur, et il trouve toujours l'argument parfait. Mais? Mais... Ah, Irène, il s'est passé tant de choses. Des choses importantes. Irène, la famille Ferrandis est venue ici. La mère de Miguel et son frère aussi, celui qui est dans une chaise roulante. Il faut que je te dise, cet homme sait déjà tout. Je sais. Ils savent qu'on est sœurs maintenant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils t'ont viré? Ils t'ont maltraité? Non, pas encore. Mais je sais que maintenant qu'il est à l'entreprise, Leonardo le sait déjà. Je sais pas quoi te dire, Irène. Non, ne t'inquiète pas. On savait très bien que ça pouvait arriver. Hmm? Virginia. Ça, ce sont les choses de la vie. Maintenant, je vis avec cette angoisse. Et hier, Leonardo Ferrandis m'a demandé en mariage. Leonardo va se marier, Rebecca. Oui, il va se marier. Avec cette femme. Avec Irène. Moi non plus, je n'arrive pas à y croire. C'est une simple secrétaire. Rien qu'une simple secrétaire. C'est une insulte, Rebecca. Une insulte pour toi. Mais aussi une insulte pour moi, pour ma personne. J'ai pris trop soin d'eux. Je les ai tellement aimés. J'ai pris soin de tes enfants, de ton souvenir, pour qu'ils ne t'oublient pas. Et Leonardo me fait ça. Rebecca! Oh non. Non, non. Oui, j'aimerais être toi. J'aimerais être la compagne de Leonardo. J'aimerais me présenter comme sa femme. M'intégrer. Comme toi, tu as su le faire, Rebecca. Je ne voulais surtout pas te décevoir. Je ne peux pas la laisser. Cette Irène est une... C'est une moins que rien. C'est une insulte. Je ne peux pas la laisser passer, non. Tu parles comme si tu étais le maître et le patron de la vie des uns et des autres. Comprends-le, s'il te plaît. Irène est une employée de cette entreprise. Elle ne fait pas partie de l'inventaire. Elle n'est pas une pièce que tu pourras bouger à ta guise. Arrête d'exagérer. Je ne lui ai pas non plus donné un ordre à respecter. Je ne lui ai pas mis un pistolet sur la tempe. Je l'ai demandé en mariage, et elle devrait en être reconnaissante. Ah, bien évidemment, elle devrait être reconnaissante que l'homme au plein pouvoir demande sa main à une femme aussi humble qu'elle. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est justement ce que je te demande. Qu'est-ce qui se passe, Leonardo? Qu'est-ce que tu as? Je ne peux pas croire que tu sois aussi mesquin, aussi égoïste. Et tu sais quoi? La vérité, c'est qu'elle est beaucoup trop bien pour toi.
J'espère qu'elle te dira non. Parce que tu ne mérites pas une femme comme Irène. Arrête ça! Je t'autorise à dépasser certaines limites parce que tu es mon frère, mais ne dépasse pas les bornes! Il y a des limites! Des limites, bien! Ah, en fait, j'avais oublié que dans cette entreprise, personne ne peut se mettre en travers de ton chemin. Bien, excuse-moi d'avoir osé te dire la vérité en face. Excuse-moi de t'avoir montré que tu n'as pas toujours raison. Et pour finir, excuse-moi de te réveiller sur tes délires de grandeur et de te faire voir que tu n'es pas le maître de l'univers! Arrête ça immédiatement! Ton ironie ne me fera pas changer d'opinion, tu as compris? Peux-tu me dire quelle est cette chose tant grave dont tu voulais me parler? Rien. Rien. Calme-toi. En fait, ça n'en vaut pas la peine, Leonardo. Parce que je réalise que rien ne peut être plus important que tes propres décisions. Pas vrai? Excuse-moi. Leonardo Ferrandis t'a demandé en mariage, Irène? Et qu'est-ce que tu penses faire? Je ne sais pas. Je lui ai dit que j'allais y penser. Mais tout est si compliqué. Tu l'aimes, c'est ça? Ah, Virginia. S'il existe quelque chose au-dessus de l'amour, c'est ce que je ressens pour Leonardo. Toutes ces années passées à ses côtés, j'aurais jamais pensé découvrir un homme aussi merveilleux, vraiment unique. Quand je suis entrée dans l'entreprise pour essayer de trouver des preuves de ton innocence, je n'aurais jamais pensé rencontrer un homme qui me ferait ressentir ça. Oh, ma sœur. Je suis désolée, tout est fichu à cause de moi. Non, 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 non. Non, ne dis pas ça, je t'en supplie. En fait, je veux seulement essayer de te montrer cette chose si intense que je ressens au fond de moi. Je t'avais jamais entendu parler comme ça d'un homme, Irène. Parce que j'avais jamais connu un homme comme lui. Et des enfants aussi merveilleux que les siens. C'est un tout, Virginia. C'est lui, ses enfants et sa mère. Carlos Ernesto, malgré qu'il sache la vérité, s'est montré très respectueux. Virginia, cette famille m'a accueillie à bras ouverts. Je ressens le besoin d'être avec eux, de les protéger. Et surtout Léo, le plus grand fils. Il est dans un âge très difficile. Il a besoin d'affection, d'attention. Parce qu'au fond, il est très fragile. Ah, Virginia. Je les aime. Et alors? Vous allez me dire d'où vous sortez tout cet argent? C'est à Georges. Ah oui? Je t'ai dit que je faisais des économies pour une planche de surf. Et pourquoi tu l'as sur toi? Et en liquide? Bah parce qu'on a un ami qui vend une planche et on l'attend ici pour l'acheter. Bien sûr. Il va t'apporter une planche de surf ici. À la piscine. Non, bien sûr que non. La planche, il me la donnera plus tard. Et pourquoi tu dois lui donner maintenant en espèces? Tu pouvais pas lui faire un chèque ou un virement? Bon, Oriane, c'est pas tout le monde qui aime les chèques. Ah oui? Je vous crois pas. Tous les deux, vous êtes devenus étranges ces derniers temps. Et je veux savoir pourquoi. Bonjour, Adela. Pardon de vous déranger. Alejandra? Et alors, tu viens ici? Tu n'es pas censée être au travail? Eh bien, on va dire que je peux prendre certaines libertés, comme renoncer à mon emploi. Ah oui? Je trouve ça très bien. Moi, j'aurais fait la même chose. On doit garder avant toute chose sa dignité. Vous ne m'invitez pas à entrer? Ah oui, 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 je t'en prie, entre. Tu veux boire quelque chose? Un café? Un jus? Non, 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 merci. Je n'en ai pas pour longtemps. Je suis consciente que l'annulation de nos fiançailles vous a dérangée. Non, il ne s'agit pas de dérangement. Cette situation a généré des rumeurs, des commentaires. Et pour dire vrai, je n'aime pas du tout que ma famille soit au cœur des discussions. Oui. Imaginez comment moi je me sens. Oui. J'imagine. Oh, écoutez-moi, Adela.
Je sais que vous ne m'appréciez pas, mais si j'ai osé venir, c'est pour quelque chose d'important. J'ai besoin que vous me donniez l'opportunité qu'on se connaisse mieux toutes les deux, qu'on s'entende mieux. Je ne vais pas vous déranger longtemps, Adela. Mais j'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas perdre Leonardo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Irène. Merci. Excusez-moi, Carlos Ernesto, j'ai pas pu arriver plus tôt. Ma mère a encore des problèmes de santé. Oui, je sais. J'ai parlé avec mon frère et il me l'a dit. Vous lui avez dit ? Il le sait ? Non. Je ne le lui ai pas dit. Je pense que tu dois tirer cette affaire au clair toi-même. Vous dites vrai ? Irène, c'est toi qui dois régler ce problème. Ça me semble plus honnête. Merci, Carlos Ernesto. Je vous promets que je vais tout lui raconter, que je vais tout lui expliquer. Mais calme-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me dis ? Tu le sais, tu n'as rien à me promettre. Ça ne me regarde pas. Tu sais, ce matin, je suis arrivé avec la sensation que je ne te connaissais pas. Mais ensuite, quand je t'ai parlé, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. Par contre, moi qui pensais si bien connaître mon cher frère Leonardo, et en fait, j'ai ressenti une immense déception. Il s'est passé quelque chose avec lui ? Rien, rien qui ne vaille la peine d'être répété. Mais si tu veux un conseil, Irène, ne te marie pas avec lui. Tu mérites d'être avec un homme bien mieux que Leonardo. Mon frère m'a parlé de sa récente demande en mariage. Et si tu veux mon avis, je trouve que cela révèle un grand manque de respect. Je crois qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Votre frère est un homme bien. Et je comprends qu'il se sente seul, qu'il ait besoin d'aide avec les enfants. Et avec les affaires qui concernent son travail. Oui, bien sûr que je comprends. Ce serait comme t'engager pour des heures en plus pour que tu t'occupes des enfants. Et que tu cèdes à n'importe lequel de ses caprices, pas vrai ? Irène. Tu serais prête à te marier avec lui, juste pour l'aider à régler ses problèmes ? Ça ne me paraît pas juste. Ce n'est pas juste pour toi. Et en plus, tu es amoureuse de lui. Oui, et vous le savez. Mais je ne suis pas aussi gentille que vous le dites. J'ai menti, et vous l'avez découvert. Oui, j'ai découvert que tu as menti. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Et comme je comprends pourquoi tu l'as fait... Je suis disposé dès maintenant à t'aider. À m'aider, vous dites ? Oui. J'ai fait des recherches sur le dossier de ta sœur et je me suis rendu compte que l'enquête ne s'est pas faite en profondeur comme elle aurait dû l'être. Vous êtes en train de me dire que... Les avocats de ma mère ont abusé de leur pouvoir. Ils ont accéléré la procédure, déclaré ta sœur coupable alors que les preuves étaient circonstancielles. Carlos Ernesto, vous voulez me dire que... Oui, c'est ça, Irène. Je vais étudier l'affaire à fond. Je vais enquêter. Ta sœur pourrait être innocente. Elle paye pour un crime qu'elle n'a pas commis. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas possible. En plus, cela permettra d'effacer les problèmes pour que mon frère et toi puissiez vous marier. Je suis certaine que ma sœur est innocente. Elle n'a pas commis de crime. Elle n'a pas commis ce crime, Carlos Ernesto. Calme-toi, calme-toi. Bon... On va enquêter là-dessus, ne t'inquiète plus pour ça. Mais en attendant, écoute-moi bien. Ne te marie pas avec lui. Il ne t'aime pas. Il ne te rendra pas heureuse. Vous êtes fou ? C'est très dangereux. Vous pourriez avoir de graves ennuis. Parce qu'on invite des amis à une fête ? Je vois pas pourquoi. Parce que dans ces fêtes, tout n'est pas légal. Qui sait quel genre de choses bizarres ils feront là-bas ? Ce qu'ils vont vendre ? C'est pas non plus forcément comme ça. Et si c'est le cas, c'est notre problème. On ne vend rien et on n'a absolument rien à voir avec les gens qui organisent la soirée. Oui, mais bon, ils seront seulement invités. Et si jamais ils décident de venir, bien, c'est l'affaire de chacun. Il n'y a aucun risque dans cette affaire, mon amour. Toutes ces affaires, même si elles paraissent faciles, il y a toujours un piège.
T'es comme toutes les femmes. Vous êtes toujours suspicieuse sur tout le monde. Léo, tout ce que je veux, c'est te protéger. Si quelque chose de mauvais devait arriver, je sais pas ce que je ferais. Il va rien m'arriver de mal, mon amour. Écoute, je vais avoir énormément d'argent et bientôt je pourrai déménager. Et devine qui viendra vivre avec moi. Ce monde est rempli de gens stupides et méchants. C'est moi qui te le dis. Je me suis ridiculisée. Et tout ça parce que je t'ai pas écoutée, Irène. De quoi tu me parles encore? De Monsieur Juan Pablo. Ah, Maribel. Ne me dis pas que t'as encore tout fichu en l'air. Oh, Irène est jusqu'au bout. Oh, non. Et le pire, c'est que je sais pas comment régler cette histoire. Je le vois et je deviens nerveuse. Je ne maîtrise plus rien, je suis maladroite et... Oh, non, non, Irène. Je sais pas quoi faire et... Et si d'un seul coup, je sais pas s'il veut quelque chose de sérieux avec moi, ou que simplement il joue avec moi et... Ah, oh, Irène, aide-moi. Ah, cette sensation surnaturelle. Surtout quand on est amoureux pour la première fois. Tu vois les étoiles le jour, tu sens que le monde ne tourne pas rond, mais pourtant rien ne t'inquiète. Oui, c'est justement comme ça que je me sens avec lui. Oui, mais parfois, le premier amour est juste une illusion. Est-ce que tu veux dire que... Que tu crois que c'est pas vrai? Ce que je veux te dire, c'est que tu es encore très jeune, Maria Lucia. Tu as encore beaucoup de choses à vivre, des amours à connaître, des sensations à expérimenter. Ne t'accroche pas à l'idée que tu as rencontré l'homme de ta vie, ma chérie. Ça peut juste créer des frustrations. Ben, ça ne me dérange pas. Mais quand il saura qui je suis, il me détestera. Il ne m'aimera plus et il ne m'adressera plus jamais la parole. Loupée, je me sens comme... Comme si j'allais mourir de tristesse. Ma chérie. Tu sais pas combien j'avais besoin de te voir. J'avais besoin de conseils en urgence. Et tu voudrais écouter mes conseils? Moi, je suis la moins expérimentée dans ces histoires. Peut-être que t'es pas experte. Mais finalement, tes conseils sont les seuls qui me conviennent. Dès que je t'écoute pas... Je fais n'importe quoi. Tu sais que je te donnerai toujours mon avis sur ce que tu dois faire. Mais ta vie, c'est ta vie, Maribel. En plus, tu sais que je suis de la vieille école pour certaines choses. Je pense aussi que les femmes doivent partager leur intimité juste avec l'homme avec qui elles veulent partager leur existence, leur vie jusqu'à la fin. Irène, je t'écoute et je me sens pire. Non, mais c'est pas une question de péché et de morale, Maribel. C'est une chose plus intime, de plus beau. L'amour? Oui, peut-être. Mais je crois aussi que ça a à voir avec le respect de soi-même. Maribel, ne t'inquiète pas. Je ne te juge pas et je ne le ferai jamais. Monsieur Leonardo, ne le prenez pas mal. Irène et moi, on parlait de choses de femmes. Elle me donnait juste un bon conseil. Oui. On cherche tous à avoir les bons conseils d'Irène, qui, à coup sûr, nous mène toujours dans le droit chemin. Ah, monsieur, je vous en prie. Je te cherchais parce que, comme tu le sais, je vais à une réunion dans l'intérieur du pays et je voulais laisser une liste de points. On peut s'en occuper maintenant? Oui, bien sûr, monsieur. Je t'attends. Oui. Toutes les choses que Leonardo me reproche sont fausses. Des malentendus. Bon, malheureusement, il croit que j'ai eu dans le passé une relation avec un homme malhonnête. Un criminel que j'ai connu il y a longtemps, mais dont je me suis éloignée. Alejandra, est-ce que tu essayes de me dire que mon fils a rompu ses fiançailles avec toi par jalousie d'un amour qui est passé? Je t'en prie, Alejandra. Mon fils n'est vraiment pas un homme immature. C'est un homme qui est adulte. Il a même déjà été marié. Bon, c'est en partie vrai. Ah, s'il te plaît. Mais en fait... Il n'a jamais pensé que je pourrais être la mère parfaite pour ses enfants. Bon, ce n'est pas une affaire facile. Ce sont 5 enfants qui sont très difficiles. N'importe quelle femme y penserait à 2 fois avant de s'engager dans cette famille. Mais dans tous les cas, j'étais disposée à apprendre, à changer, à devenir une femme idéale pour lui. Bon, tu peux essayer, mais de là à le rendre heureux... Oh, chère Adela, je parle sérieusement. Je ne peux pas perdre Leonardo. Mais si vous m'aidez, je vous promets que je serai la meilleure épouse, la belle-mère dont ses enfants ont besoin. Et vous verrez en moi la meilleure des belles-filles.
Ah, Alejandra. Tu m'as dit beaucoup de choses, mais tu ne m'as pas encore donné une solide raison pour que je veuille bien t'aider. Très bien. Alors, laissez-moi vous en donner une. Je pense que le désespoir a poussé Leonardo à commettre une erreur. Le plus plausible, c'est qu'il, d'une manière ou d'une autre, bon, par esprit de vengeance, ait l'intention de se marier à une autre, une femme qui ne lui conviendra pas et qui finira par le blesser. Irène confirme avec l'agence de publicité le déjeuner de la semaine prochaine et que cette fois, ce soit eux qui choisissent le restaurant. Je peux leur suggérer un type de nourriture ? Non, non. Laisse-les me surprendre. J'ai beaucoup appris pendant ce voyage. Maintenant, je me laisse même surprendre. C'est tout, monsieur ? Non, c'est pas tout. Je sais très bien pourquoi tu es comme ça avec moi et en vérité, j'aimerais te présenter mes excuses si ma demande t'a paru grossière, ou inopportune, ou inappropriée. Irène, je n'ai jamais eu l'intention de te proposer un arrangement. Vous n'avez pas de quoi vous excuser, monsieur. Mais j'ai de quoi m'inquiéter parce que je sais très bien que cette distance, ce monsieur, est directement lié à ma maladresse. Je me suis comporté comme un débutant, comme un idiot. Stop, Leonardo. Je t'ai dit que c'était pas nécessaire. Pour moi, ça l'est, Irène. Je te promets que je vais travailler là-dessus pour nous deux. J'ai besoin que tu saches que je suis sincère, que je suis disposé à tomber amoureux de toi, Irène. Si tu acceptes d'être ma femme, il ne passera pas un seul jour sans que je te démontre que je peux tout changer pour toi. Pour toi, rien que pour toi. Ce voyage était incroyable, Consuelo. Oui. Il faut absolument convaincre mon papa de le refaire. Tu verras quand on te montrera la vidéo, Consuelo. Oh, j'ai hâte de la voir. Mais il faudra me prévenir à temps pour faire du pop-corn. Et tu verras quand ce sera terminé. Ensuite, on en fera un sur les fantômes. Oh, ça j'aime bien. Comme les activités paranormales. Je vois un fantôme qui vient la nuit dans la maison. Et il se met sous nos lits. Stop, calme-toi, Léna. Tes frères ne font que rire avec toi. Tu sais, les fantômes n'existent pas. Ils existent. Je ne peux pas encore te répondre. Je peux pas répondre parce que... Mais dis-moi, au moins que tu y as pensé. Oui, beaucoup. Mais on doit parler. Oui, ça, je le sais. Et voilà pourquoi. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu as dit que tu connaissais beaucoup de choses sur moi. Sur ma famille, sur ma vie, sur mon passé. Oublie ça, s'il te plaît. Ça n'a pas d'importance. Si, c'est important pour moi. Et beaucoup. Maintenant, je sais que je t'épouserai, même si je ne connaissais pas ton prénom. Ce que je sais sur toi me suffit pour savoir que ce que je fais est bien. Même si tu m'aimes pas. Ne dis pas ça. Laisse-moi cette opportunité. Laisse-moi te montrer que je peux t'aimer comme tu le mérites. Je ne veux pas te perdre. Je veux apprendre à t'aimer, si tu l'acceptes. S'il te plaît, acceptes-tu d'être ma femme, Irène Gutiérrez ? C'est ce que je désire le plus au monde. Très bien, Leonardo Ferrandis. J'accepte d'être ton épouse. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte?
decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo. ¿Y para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué? No entiendo. ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que